tournoi international de physique où se rencontrent des équipes du monde entier sur 17 problèmes de physique. Les équipes vont se rencontrer, vont s'organiser par Physics Fight. Chacune des trois équipes dans la fight va occuper un rôle différent, un rôle de reporter, où l'objectif va être de présenter des résultats, un rôle d'opponent qui va être de critiquer constructivement les résultats présentés par le reporter, et un rôle de reviewer qui va être de modérer le débat entre les deux autres équipes. Enjoy this fight. C'est un projet qu'on a travaillé toute l'année, sur lequel on a passé des heures, des nuits, et là de voir l'aboutissement non seulement de ce qu'on a fait, mais aussi de voir ce qu'ont fait les autres, c'est vraiment une expérience unique. It's crazy. Oh my god, I'm so excited. And also extremely grateful to be here at this amazing university, but also to get to represent my country and my university at this tournament. De se regrouper vraiment en team pour représenter l'école, pour donner le meilleur de ce qu'on a. En fait, ça nous soude énormément. Donc, le tournoi de physique est utilisé depuis une petite dizaine d'années à l'École Polytechnique pour former les étudiants à une approche de la physique et de la recherche de façon ludique. C'est vraiment l'occasion que les équipes se rencontrent, que des étudiants de tout le monde entier, de différents pays, de différentes sensibilités, puissent se rencontrer, discuter de physique. Il faut qu'ils récupèrent des connaissances du groupe et aussi d'enseignants, de chercheurs, de l'école ou d'ailleurs, de façon à résoudre ces problèmes. It's incredible, you know. I've never seen a tie in a tournament, actually. So that's something new. But you know, my team and I worked really hard. I'm really happy. Yeah. Good. Thank you.